Il y a dix ans, j'ai reçu un précieux conseil d'une personne qui me disait, la vente est une méthode que tu dois savoir adapter et dérouler de A à Z face à ton client. J'ai reçu ce conseil de la part d'une personne qui a vécu en Asie, qui a développé des business aux US, en Europe, au Japon. Et aujourd'hui, j'aimerais justement challenger avec cette même personne sa vision par rapport à cette méthode pour voir si elle est universelle et si elle marche sur tous les marchés et dans n'importe quel pays j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Jérôme Cohen comment ça va Jérôme merci Ariel écoute ça va donc je, je, je te retourne un peu le compliment hein j'ai rencontré il y a dix ans euh, un sérieux entrepreneur euh, euh, ouvert d'esprit intelligent euh, 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 cultiver. Thanks. J'ai pris pas mal de. J'avoue, c'est que tu m'as donné beaucoup de conseils à l'époque, notamment lire. Alors ça, je ne l'ai pas tout de suite pris. Ouais. Par contre, rencontrer beaucoup de gens, ça, je l'ai gardé. Je rencontre tous les jours euh, au moins une personne que je ne connais pas. Super. C'est canon. On parle souvent de d'IA, c'est un, un bon moyen de, de commencer la conversation. Moi, je suis plutôt sur l'intelligence humaine. Okay. C'est-à-dire comment tu arrives justement à, à prendre le meilleur de l'humain et effectivement utiliser l'IA, mais. Utiliser surtout l'humain et, et le, le rendre meilleur et le, et le rendre collectif. C'est un peu ça la, la, la méthode que, que j'aime bien et, et qui marche. On va voir justement, on va voir, on va la tester, on va la challenger sur le ring. Ouais. Tu te présentes rapidement en une minute. Tu as quand même un, un joli palmarès, un track record qui parle pour toi. Et ensuite, on rentre sur le premier round directement. Super. Donc, moi, j'ai Jérôme Cohen. Euh, je suis euh, head of sales chez Gohan aujourd'hui. Euh, pour l'entreprise le, pour la région Yamier. Euh, voilà, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai effectivement travaillé avec la Chine. Euh, j'ai bossé chez LinkedIn pendant cinq ans, j'ai ouvert un secteur public. Euh, j'ai euh, créé le bureau d'Avature en France. Voilà, j'ai, on va dire des expériences qui sont euh, toujours un peu similaires. Tu commences une feuille blanche et tu arrives à euh, créer de la valeur. OK, on va voir comment tu as fait du coup. On commence par le premier round. Ouais, avec plaisir. Le premier round, c'est un sujet qu'on parle peu parce que bah malheureusement, on ne rencontre pas assez de, de bons sales dans ce secteur, en tout cas de sales. C'est le B2G, Business to Government. Donc, comment tu arrives justement à vendre euh, à des administrations françaises qui plus est, ce qui va m'intéresser, lorsque en plus, il y avait encore Viadeo à l'époque ou pas Absolument. Il y avait encore Viadeo. Ouais. Et toi, tu étais sur LinkedIn et tu étais là pour ouvrir. Donc du coup, premier round la vente en B2G. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait justement chez LinkedIn ouais. pour ouvrir le B2G et comment tu as mis en place la méthode en question pour atteindre les résultats. Donc, donc déjà quand m'a proposé le gouvernement chez LinkedIn, c'est pas un truc qui m'a vraiment euh, disons excité au départ parce qu'étant plutôt international, plutôt B2B, plutôt anglo-saxon, je me suis dit voilà, c'est très local, très euh, euh, disons complexe. Ouais. et après avoir réfléchi je me suis dit bah finalement voilà je connais pas bien la France je connais pas ce secteur j'ai peut-être des a priori euh, et du coup bah, je, je vais me plonger dedans en fait et, et donc moi je suis un adepte de la, de la méthode customer centric selling qui est un peu la méthode un peu, euh, qui m'a transformé et qui a, qui a fait ce que, 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 que je suis aujourd'hui et donc euh, c'était dédicace à Jean-Marc Bello, qui n'est plus, plus ici, qui n'est plus de ce monde, mais qui était le, un peu le, le gourou de cette méthodologie en Europe. Euh, et en fait, donc déjà, j'ai essayé de comprendre c'est quoi le secteur public comment il, comment il est divisé Voilà, il y a quoi il y a, il y a les EPIC, il y a les EPA. Les EPIC, c'est RATP, SNCF. Les EPA, c'est les grandes agences. Il y a euh, les collectivités locales, les grandes mairies, les régions. Donc, j'ai déjà essayé de cartographier le marché. Ok. Donc, vision macro, dans un premier temps, tu arrives. Vision macro. Macro. Okay. C'est quoi le potentiel Il y a 33 000 mairies. C'est quoi le, le contexte C'est quoi le terrain de jeu C'est un peu la méthode de base, hein, terrain de jeu. Tu parles d'un secteur. C'est quoi le secteur La deuxième approche, c'est comment tu structures le mes secteur Donc, comment tu fais en sorte d'avoir euh, tout dans Salesforce, bien structuré, bien euh, segmenté mais rattacher les bonnes, les bonnes filiales, la caisse des dépôts, il bah, y a combien de filiales qui sont rattachées à la caisse des dépôts et ainsi La de cartographie, suite. du coup. Absolument. Donc, vraiment macro, micro. Donc, ce que je comprends, c'est que tu arrives, tu regardes c'est quoi le, le terrain de le jeu, donc comment est structuré le secteur ouais. que je dois attaquer. Ouais. Et ensuite, tu regardes donc, comment il fonctionne finalement. Alors, donc, 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 la, première, la première étape, c'est structuration. Deuxième étape, c'est euh, comment tu. Définis tes priorités. Donc il y a des mèches longues, des mèches courtes, des mèches moyennes. Okay. Bah, les ministères, c'est plutôt long. Les collectivités, c'est plutôt court, mais c'est plutôt des petites valeurs. Et les épiques, entre les deux. Donc comment tu arrives à avoir un mix de ton effort pour faire en sorte de, de bien euh, bah, d'avoir une part pour la soif, mais aussi d'avoir de quoi manger à zap Donc ça, c'est au, euh, au niveau de la méthode. Et après, tu as besoin de te confronter à la réalité. C'est quoi Comment ils pensent, les gens du secteur public c'est quoi leurs enjeux Et donc, très vite, je suis allé à la mairie de Roubaix, la mairie de La roche je suis allé voir les régions, je suis allé voir les collectivités, et je me suis confronté pour comprendre un peu c'est quoi leurs enjeux. Ils utilisent quoi C'est quoi leur processus de validation Donc, j'avais besoin de ce temps de jachère, de bien analyser la situation et de me mettre dans la peau d'un agent public. Et ça, c'est donc, que de mémoire, en fait, ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement, ça avait mis à peu près deux mois. Où tu n'avais rien closé. Ouais. Et c'était ces deux mois-là qui t'ont permis de, de faire le Sherlock Holmes du marché public, finalement. C'est une mini étude de marché, en fait, à mon niveau. Mais essayer, en fait, de mettre les lunettes d'une personne du secteur public et de savoir c'est quoi son, son rôle aujourd'hui. C'est quoi ses enjeux C'est quoi ses problématiques Et c'est vrai qu'on parle souvent de sales. À mon sales, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui va, en fait, Lorsqu'il va voir le client, il va se dire euh, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait Si j'étais à sa place, euh, quels, sont ses quels sont mes enjeux Si j'étais à sa place, euh, quelles sont mes épreuves Donc, c'est vraiment de se mettre dans la peau de l'autre. Mais au-delà du business, je pense que dans les relations humaines, c'est penser à l'autre, écouter l'autre, être attentif, être bienveillant. C'est ne pas penser qu'un client, c'est un, une cible. Un client, c'est un, un patient. Moi, je dis que c'est un partenaire. C'est lui et moi, on va justement euh, Donc, travailler ensemble pour résoudre son problème. Mais en fait, j'ai autant besoin de lui qu'il a besoin de moi. Alors, c'est un partenaire une fois que tu arrives dans une logique de collaboration. Ouais. Mais avant ça, c'est un patient. C'est-à-dire que tu vas le voir, en fait, il a un problème ou pas. Et comment tu arrives à détecter son problème Et c'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, en fait, quand tu vas chez un médecin, au début, il ne te sculpte pas en fait. Au début, il te regarde. Euh, il te regarde, il discute, euh, il va poser des questions. Quand il te sculpte, il sait déjà ce que tu as. Ben, c'est un peu la même chose, cest qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui va, qui va chez un client, qui, qui est prêt à se mettre à nu, du coup, qui est prêt justement à s'ouvrir à, à l'autre, et qui est très bienveillant dans le sens où il se dit, voilà, ben, si je me mets à la place du client, est-ce que je ne vais pas trouver un, 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 une problématique que je vais l'aider à résoudre du coup, je switch un petit peu. Comment tu fais aujourd'hui sur euh, des sales qui n'ont plus vraiment envie d'aller voir les clients ou euh, qui aiment bien faire des démos euh, derrière leur écran enfin... Alors ça, c'est la méthode. La méthodologie. Donc moi, je suis un adepte de la méthodologie. Toujours CCS. Donc, une première disco avec le SDR, une deuxième disco avec les I. Et après, tu fais la démo. Mais je ne suis pas un adepte de la démo. C'est-à-dire que justement, je suis plus un adepte du disco bien. Tu comprends les besoins du client. Et après, tu lui montres en quoi ton produit répond à son besoin. Mais en fait, le, en général, celui qui achète, ce n'est pas celui qui va l'utiliser. Donc, c'est plus comment tu arrives à, à faire comprendre que ton outil répond à son besoin. Et à double disco, tu n'as pas peur d'être euh, en overlap justement avec euh, la première chose, voire potentiellement euh, ennuyer le, le, le prospect qui dit, attendez, j'en ai déjà parlé avec une personne ouais. avant de votre société. Et, euh, et là, j'ai l'impression que vous ne communiquez pas entre vous. Quoi. Ouais. Très bien, donc c'était une bonne question. La deuxième disco, c'est plus une disco de préparation à la démo. Donc l'approche la, est différente. C'est plus en fait, voilà, je vous donne un quart d'heure pour bien préparer la démo. Euh, je veux savoir ce, qui, voilà, ce, qui, ce, que voudrez, ce que vous aimeriez voir. C'est quoi, on va dire, les choses que, qui ne vont pas en termes de, de produits aujourd'hui. Comme ça, la démo, elle est hyper sur mesure et on va pas faire une heure de démo sur un truc qui est hors sujet. Ce qui est souvent le cas du Sales. Le Sales est très euh, euh, centré produit centré, euh, centré boîte où il travaille. Mais il est très peu à l'écoute du client et il est très peu euh, dans une approche de euh, réponse à un besoin. OK, la deuxième, euh, le deuxième round, c'est sur le mindset sales. Tout à l'heure, tu parlais justement euh, d'une un, méthode, euh, effectivement, cette méthode universelle qui marche. Mais est ce que ça marche pour tout le monde ou effectivement euh, le commercial doit euh, adapter son, son état d'esprit par rapport à cette méthode-là, ou être dans un certain état d'esprit. Tu vois, c'est comme si je disais, ouais. si je fais du yoga et que euh, je pense euh, à mon, je sais pas, au rendez-vous que je vais avoir derrière, euh, tout ça, bah, en fait, je vais pas être dans le moment et donc du coup, je pourrais pas euh, vraiment apprécier pleinement euh, les, les mouvements que je vais faire. Je parle de yoga, mais sur la boxe, c'est pareil. Est-ce que euh, le mindset sales doit être euh, doit, doit, doit être pris en compte par le directeur commercial, par exemple, qui va insuffler cette méthode-là et insuffler l'énergie à son équipe pour que justement ça puisse matcher et que le cocktail puisse être délicieux. Donc c'est une très bonne question ça et, fait et, deux et, quand et même. je la répondrai avec euh, Zouzou qui est le plus gros stratège de tous les temps. Ouais. Euh, Nourrites tes troupes, elles te suivront jusqu'aux vallées voilà, les plus profondes. C'est vrai que le rôle de leader, c'est pas un rôle en fait, euh, en mon sens, de, de showman. Ou c'est pas un rôle de, euh, c'est pas un statut en fait. C'est quelqu'un qui va prendre les gens et les, et les, monter, et les faire monter. Et les, comment tu fais monter les gens en fait Comment tu fais monter les sales Déjà, tu leur donnes accès à la connaissance. Donc, tu le nourris en livres, en podcasts, en, en savoir. Comment tu t'assures que c'est fait Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Dans mon ancienne entreprise, ouais. on faisait euh, d'autres podcasts. Et il n'y a aucun de mes celles qui écoutaient les podcasts, ni les nôtres, ni d'autres d'ailleurs. Il y avait une bibliothèque avec euh, euh, une tonne d'ouvrages. Rien n'était lu. On pouvait partager des, euh, des articles. Rien n'était fait non plus. On faisait des rex. Ça restait sur son téléphone. Enfin, tu vois, euh, comment tu fais euh, pour justement faire prendre conscience de l'importance de s'enrichir intellectuellement sur la culture commerciale pour soi déjà et pour s'améliorer dans ses résultats. Donc déjà tous les lundis matin dans ma réunion commerciale j'ai deux axes j'ai l'axe euh, grand stratège donc euh, Sun Tzu Clausewitz donc toujours Napoléon je prends toujours des, des Michael Jordan des gens qui sont successful j'essaie de prendre en fait des, des choses qui mettent en place et comment eux, on peut l'adapter côté sales. C'est le numéro un. Deuxièmement je donne des feedbacks sur ce que moi j'ai lu la semaine dernière ou ce que j'ai écouté, et donc j'essaie de les nourrir en info, nourrir en, en thématiques, pour effectivement faire en sorte que tu redonnes le goût, le goût à, à la connaissance et à, à l'agilité, parce que on l'a pas parlé, mais le rôle sales, c'est un, un rôle qui évolue tous les jours. Donc il faut avoir un esprit, un état d'esprit, qui est un état d'esprit de start-up. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus. Peu importe la taille de la boîte Peu importe la taille de la boîte que, et peu importe le sales. Et. C'est-à-dire okay, que. Je rebondis, moi ouais. Jérôme, je ouais. rebondis sur ce que tu sais tout à l'heure. Donc, tu dois avoir cette agilité, ok, donc d'une start-up. Comment tu fais pour avoir cette agilité de start-up lorsque tous tes ordres viennent des US Tu vois, par exemple, as, ouais. on a vu dans ton, ton track record, tu as, as implémenté une solution euh, des US ouais. en France puis en Europe. Donc. Les ordres, ils viennent de là-bas. Tu vois ce que je veux dire donc, Et donc, la mentalité n'est pas forcément la même que celle de, de la France. Comment toi, tu arrives à justement concilier deux et euh, impliquer ton, ton équipe pour atteindre ces objectifs Donc, tu, tu prends le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu prends la structure américaine, mais tu gardes l'approche locale du, euh, voilà de la culture, de, euh, des enjeux, euh, des, 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 de la méthode de pensée. Et donc, et donc en fait. Euh, si tu es autonome et si tu connais bien ton, ton, ta méthode euh, les américains en général ils te laissent faire c'est à dire que c'est pas à toi' c'est pas à eux pas eux qui vont te dire comment en fait euh, adresser les français en revanche si toi tu maîtrises bien euh, ta cible si tu connais bien ses enjeux si tu connais bien la mentalité ta date en fait donc la méthode c'est dans un cadre donc c'est plutôt positif et après tu déroules donc il faut pas être trop dépendant du global en fait moi, je suis plutôt sur une méthode qui s'appelle la méthode locale. Donc, tu prends le global, mais tu l'adaptes en local. OK. Et donc, en fait, euh, voilà, avec des spécificités euh, locales. OK. Et là, du coup, l'agilité dont tu parlais par rapport euh, à tes équipes, ouais. euh, comment ça se traduit Comment, justement, toi, tu leur, euh, tu leur transmets euh, cette flexibilité Et, dernière question, ouais. après, je m'arrête, ouais. je te laisse parler. Ouais. Comment tu fais, justement euh, Est-ce que cette. Cette flexibilité, cette méthode-là, elle est entendable et réalisable par toutes les générations, c'est-à-dire aussi bien des personnes qui ont 50 ans, 40 ans, ou la génération Z, par exemple. Ouais. Et l'agilité, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'en fait, je compare ça un peu au jeu d'échecs. C'est combien de coups tu connais et combien de coups tu répètes. Donc, et les coups ne sont jamais les mêmes et les situations ne sont jamais les mêmes. Donc, comment t'arrives en fait à avoir un modèle de pensée qui est suffisamment agile pour que d'une situation que tu n'as jamais rencontrée, tu arrives en fait à prendre une ancienne situation et à l'adapter à une nouvelle situation. Donc, donc et quand je parle d'agilité, c'est ça en fait, c'est d'avoir vu suffisamment de situations et suffisamment de contextes pour euh, l'actualiser. Maintenant, tous les sales n'ont pas eu ce vécu. Et donc, c'est à toi, en tant que leader, de monter sur les deals, de venir en discovery, comprendre le client et justement euh, expliquer aux sales. Ben, ce que toi t'as compris et comment tu verrais les choses l'aider à closer donc je pense que le rôle de leader il a évolué aussi dans le sens où c'est plus un, une personne sous sa tour d'ivoire qui va justement euh, donner des ordres est-ce qu'on n'est pas par, passé de manager à leader du coup ben, on est passé de de manager euh, avec euh, la casquette ouais. à leader hands-on qui va en fait euh, aller avec son euh, son équipe Combattre Napoléon qui va sur le pont d'Arcole et qui va combattre les Italiens. Donc, c est, c est, pour moi, le manager moderne, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui est hands-on, c'est quelqu'un qui n'a pas de fierté de closer, pas closer, est-ce que je suis sur le terrain, pas le terrain. Donc c'est quelqu'un qui est tacticien mais stratège. C'est quelqu'un qui est aussi caméléon. Donc l'agilité d'être à la fois stratège, à la fois tacticien, à la fois sur le terrain, à la fois sur le. Sur le, sur le, le est-ce que tu peux être médiocre en étant. Tout ça, je m'explique. C'est-à-dire, médiocre pour moi, ça ne veut pas dire pas bon, ça veut dire moyen. Euh, est-ce est que tu peux vraiment être bon euh, en, en, en strat, en tactique, euh, être aussi sur le terrain euh, et aussi arriver à, à enrôler tes équipes euh, Est-ce qu'il n'y a pas. Euh... Enfin, est-ce que pas trop de choses pour être excellent quelque part tu vois Donc, c'est donc une bonne et... question. Moi, enfin, moi, la peur que j'ai quand ouais. tu me dis ça, euh, tu me parles de Napoléon et, et je ne pense pas qu'il est des Napoléons tous les jours. Euh, Napoléon, il avait, euh, il avait des, des points forts. Je pense qu'il avait d'autres points faibles également. Ouais. Euh, et sur ces points faibles, c'est là où il s'est fait euh, torpiller. Donc, c'est de... maintenant le risque que moi je vois en essayant d'être bon partout, c'est d'être excellent nulle part. Donc, donc c'est une bonne question. Donc déjà, ça, ça, ça implique avoir fait le, le rôle en soi. Je l'explique à la chef d'orchestre. Ben, il connaît euh, le violon, il connaît euh, la guitare, il connaît euh, les partitions. Donc, cette approche tactique, stratégique et d'agilité, elle n'est possible que si tu as fait toutes tes gammes. Ouais. SDR, 16, manager, VP, France, international. Donc, tu as raison. Ce n'est pas, pas simple. Et ça demande un, un, un critère et un degré d'excellence qui est juste incroyable. Ça demande, ça demande justement de jouer la Ligue des Champions. Mais là, je te parle de Ligue des Champions, je ne te parle pas de Ligue 1. Donc, si tu vises les étoiles, il faut être je suis en musclé pour être tactique, stratégique, empower les gens, savoir la rigueur, la structure, connaître bien Salesforce, euh, avoir de l'empathie pour les gens et vouloir les faire évoluer, t'entourer de gens compétents. Donc, c'est une, une potion magique, mais qui n'est pas, pas facile à, à, à avoir. Ça demande de l'expérience, ça demande de l'écoute, ça demande de l'humilité. Donc, et c'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire que parce que quelqu'un a ces qualités-là aujourd'hui, qu'il les aura demain. Donc comment tu arrives à être « head of the game », comme les Américains, pour avoir toujours ce temps d'avance, de pouvoir en fait euh, être bankable. Bankable, « bankable ». Et « bankable », c'est quoi C'est à as 3 millions d'ARR à faire en 9 mois euh, avec une équipe de 3 personnes. Ben, tu arrives, euh, arrives à le faire parce que tu as les bons ingrédients, la bonne méthode, tu empowers les gens. Et que finalement tu délivres, donc c'est ça la méthode. Ok. Nickel. Je suis passionné, tu me connais. Ah hein, ouais, je... je sais. Non, c'est bon, y okay. aller. Je... Le troisième round, on va parler justement des ingrédients. C'est quoi les bons ingrédients pour que ta méthode elle, elle prenne et comment je vais les chercher, comment je les euh, fais mûrir, ouais. tu vois, et comment justement je m'aperçois que ce c'est pas les bons ingrédients et que j'arrive à les jeter. Euh, Assez tôt pour éviter de perdre du temps. Ouais. Donc c'est donc, 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 intéressant. Je ah, c'est que... plus une bonne question. C'est devenu intéressant. Non, c'est une question qui m'intéresse, ah. ce que je voulais dire. Mais il faut commencer par la stratégie. La stratégie, c'est quoi C'est comprendre le terrain de jeu, comprendre le contexte, comprendre la position de valeur comprendre le client, comprendre la boîte, comment elle fonctionne, comprendre l'interaction. C'est un ingrédient. Ça, c'est l'ingrédient la stratégie Donc, l'ingrédient, c'est au départ de bien stratégiser sur le go-to-market, sur euh, en fait, combien de pipes tu dois créer pour arriver au, au, au résultat, combien d'ops, c'est quoi ton panier moyen, c'est quoi ton taux de conversion. Donc, c'est arriver en fait à avoir un état des lieux de, de, de ce qu'il y a, définir ce que tu aurais besoin, donc c'est quoi ton c'est quoi ton ça, but Ça, c'est le deuxième, ça, le deuxième le, ingrédient. premier ingrédient, c'est tu définis le, le, la règle du jeu, en gros. Ok. deuxième ingrédient, tu définis un peu ton objectif, tes objectifs. Et troisième ingrédient, c'est comment tu exécutes. Comment tu fais pour que tes objectifs soient raisonnables et compatibles avec ton terrain de jeu euh, et que justement, tu arrives derrière à, à amener tes selles tu vois, Moi, ah, je vois... Je sais bon. pas. Ouais. Toi, différentes phases. Donc, on va tout... prendre différentes ouais. phases. Tu vois, donc, euh, sur une phase, euh, on va dire... Euh, de, de market fit au début ouais. euh, T'as pas encore assez de track record Donc d'expérience pour pouvoir te dire euh, Bon bah euh, Là on va mettre un objectif euh, à X Alors qu'il devrait être peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut Donc tu vas potentiellement reward trop Ou pas assez, ou tu vas pas avoir la bonne force commerciale Comment tu fais, ou potentiellement tu ouais. t'as pas bien compris Encore les règles du marché T'as pas le vrai panier moyen, t'as pas tapé tous les ICP tu vois je fais exprès donc, non, mais, te, non mais de... c'est bien c'est bien parce qu'en fait donc tu, tu vois l'existant les, les phases sont différentes tu vois l'existant et tu et tu vois un peu ce qui est logique et ce qui est ce qui, là où tu penses qu'il y a une il y a un truc à gratter donc par exemple je te rends compte que je sais pas moi ils font pas d'outbound. Je dis bah l'outbound c'est un truc que tu peux faire. On en parle justement l'outbound c'est indispensable c'est indispensable. Donc, quand je suis arrivé chez Corp Academy on était à 100% d'une bande et après on était à 50 50 donc donc, c'est là où tu peux travailler sur des leviers-là, les pas moyens. Comment tu as justement changé un peu de sujet Je fais exprès de te. Oui, ouais, très bien. Euh, comment tu fais justement pour euh, passer de 100 à 50 sur une, du coup une mentalité Donc. qui n'est pas du tout celle de euh, je vais retrousser mes manches, je vais prendre mon téléphone et je vais y aller. Et pas non plus cette méthodologie de euh, cartographie en amont euh, qui est mon ICP Potentiellement, je pense que vous en ABM, le Compte Base ma Management. Marketing, oui. Marketing, pardon. Ouais. Euh, Alors, effectivement, donc, non, donc ouais. le Corp c'était assez, assez marrant parce qu'ils avaient beaucoup d'in-band et en fait tous les sales traitaient les in-bandes. Donc moi je suis arrivé, j'ai dit voilà, il vous faut des SDR in-band mais il vous faut aussi des SDR out-band. Donc on a créé deux postes SDR in-band, deux postes SDR out-band. -out ce qui fait en fait qu'on a déjà on a filtré l'in-band, donc on a fait en sorte que ce qui arrivait aux sales était très quali parce qu'avant ils géraient beaucoup de choses. Deuxièmement, ça a permis de faire enfin, un focus sur la haute-bande. Et du coup de faire que de l'outreach avec de la BM, avec euh, des events, avec, euh, avec euh, du targeting via RFR, notre, euh, fin là où j'ai investi, mmh. on investit. Ensemble. Ouais. Donc voilà donc donc euh, de, 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 de 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 mettre la petite puce à l'oreille de se dire voilà il faut qu'on ait dans une stratégie go to market une partie importante de outbound. Okay. Et donc dans la structure ça a joué vachement la structure commerciale que j'ai mis en place. Je refais un petit focus sur cette partie inbound, outbound qui, ouais. pour moi, euh, a un peu l'air de la guerre surtout sur les temps qui courent ouais. où on arrive plutôt dans les euh, vaches euh, maigres ouais. euh, où il euh, y a beaucoup moins de budget, où les fonds ont arrêté de mettre de l'argent ouais. euh, pour faire de la R&D et on demande aux, aux entreprises et principalement aux head of sales d'atteindre les objectifs, voire de les surpasser. Parfois, c'est même euh, vital. Ouais. Euh, comment, toi, sur une boîte qui euh, n'a pas cette... Euh, cette philosophie finalement de la haute bande, t'arrives à, à l'impliquer. Moi je crois pas trop au fait de... Enfin, je, 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 te, je te crois quand tu as pris juste deux sales, mais en fait c'est pas parce que tu prends deux sales d'outband. bande que ça va ça va changer l'histoire que pour moi c'est une, une, non, une, une philosophie ouais, c'est une philosophie donc si, si, les, si, si la boîte elle a jamais fait de haut bande déjà juste un truc tout bête ça commence à couler sur les euh, sur les plateaux ça commence à tu vois c'est ouais, ce perturbe, ouais. perturbe c'est intéressant en fait donc déjà moi je suis arrivé en septembre chez Corp et en juin j'ai commencé à travailler sur le mapping des comptes donc ça commence par ça en fait okay, tu, tu avait prends pas le de compte LVMH, comment tu arrives à de créer toutes les filiales les rattacher à la compte parent comment tu arrives à définir en fait les 100 comptes prioritaires en France. Donc la haute bande, ça signifie être excellent dans le terrain de jeu. Je c'est quoi ton terrain de jeu C'est quoi ton persona C'est quoi ta position de valeur Ta valeur propre Mais ta valeur propre, elle est différente selon la personne que tu as en face. Décisionnaire, bien sûr. Si c'est euh, un DRH, si c'est un responsable learning, la position de valeur, elle est pas même si c'est un directeur IT. Donc ça veut dire comment tu arrives aussi à avoir le bon discours en face de la bonne personne. Et ça, ça veut dire aussi comprendre ton secteur. Et donc les ingrédients, c'est... Le mapping, deuxièmement, c'est la proposition de valeur, quelle proposition de valeur en face de quel persona, et troisièmement, c'est quels euh, axes, c'est-à-dire 16 naves, euh, l'ABM, ouais. quel outil okay. tu utilises, euh, et, et aussi quels incentive tu mets en place. Sur les rewards Sur les rewards, sur euh, la, 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 euh, tout ce qui est recognition, c'est vrai qu'on parle de reconnaissance, c'est vrai que beaucoup de sales sont en manque de reconnaissance. Comment t'arrives en fait à les, à les mettre en avant lorsque... Euh... C'est un ingrédient la reconnaissance Absolument. L'humain. En fait, je pense que la méthode que j'applique, c'est une méthode qui est basée sur la bienveillance et l'humain. Et prendre le meilleur des gens. J'ai du mal à, à définir bienveillance. Malheureusement, c'est un mot qui était beaucoup trop galvaudé ouais. sur, euh, sur LinkedIn. Je demande bienveillance à quatre personnes différentes. C'est comme bien être au travail. Euh, chacun a sa propre définition. C'est quoi la tienne de bienveillance et en quoi elle a une notion avec le business Donc un exemple. Il y a un sales qui a travaillé longtemps sur un compte et je l'avais commit auprès de la direction US et il n'a pas signé. C'est un gros un gros compte. Donc il m'appelle, il me dit voilà, je suis désolé, le compte n'a pas signé. Je dis mais c'est pas grave. Ok, on va apprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé. On va faire en sorte de bien de bien on va dire communiquer en interne avec pourquoi ça s'est pas passé et on va relever les manches, et ça va aller. Et donc, la bienveillance, c'est de ne pas, pas penser qu'un sales, c'est un fusible, et de ne pas penser qu'il euh, veut mal faire. En fait, un sales, il veut bien faire. C'est que des fois, il n'a pas vu venir le, le truc. Des fois, euh, tu n'as pas su aussi lui, lui, lui donner les, bonnes, les bons outils. Euh, des fois, le client, il, il est compliqué. Donc, la bienveillance, c'est de ne de, de pas juger un sales sur euh, un échec, sur une situation. Mais déjà, t'assurer as que tu as fait tout le possible pour l'accompagner vers le succès. C'est ça, la bienveillance. Souvent, on les sales, c'est des fusibles. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère, en fait, me dire un sales qui est dans le dur, tu l'accompagnes, tu l'aides. Si c'est pas... S'il est pas fait pour être sales, tu l'accompagnes pour faire autre chose. Et ça, c'est une autre question. Donc souvent, c'est le cas. Souvent, bah, il arrive pas, et il est pas sales. Et du coup, tu dis, bah, voilà, comment je peux t'aider à être CSM, comment je peux t'aider à être... La bienveillance c'est ça en fait, c'est dire les choses quand ça ne va pas, mais d'être là quand ça ne va pas, ça surtout. De ne pas, de pas en fait euh, lâcher la personne lorsqu'elle est, lorsqu est au fond du trou. Parce que, parce que justement, la, la beauté de la chose, c'est que rien n'est irréversible. Et en fait, il faut juste bien comprendre le diagnostic aussi du sel. Où ça ne va pas Est-ce qu'il dit ce qu dise qu au mal Est-ce qu'il n'est pas la bonne personne Est-ce qu'il n'est pas sur le bon secteur donc, il y a souvent une raison. Et donc, ce n'est pas aussi simple que de dire que c'est un bon ou un mauvais sales. Donc, déjà, je trouve que c'est euh, euh, simpliste comme, comme pensée. Mais je trouve aussi que euh, euh, ça crée aussi une, une notion de, de, de stress et d'inquiétude euh, qui n'est pas positive pour le business. Donc, tu, tu donnes confiance à ton sales, tu l'aides à achever, tu vas sur l'école. Tu te fais ton avis sur la question. Et si vraiment il n'est pas fait pour celle, tu l'accompagnes ailleurs. Pour moi, c'est ça la bienveillance. C'est ne pas euh, euh, ne pas juger trop rapidement et ne pas euh, servir de qui de fusible. Ok. On va parler du coup euh, de euh, toute la partie euh, management, notamment lorsque tu es un, un head-off ou un CRO. Euh, et que tu dois embarquer euh, tes, tes équipes. Euh, J'aimerais bien, pour comme première question, euh, nous dire ce que toi tu, tu penses du PIP aujourd'hui euh, et euh, comment tu fais en sorte que le PIP euh, marche ou ne marche pas. Moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui euh, le PIP s'appelle un placard et que c'est juste un déclencheur de ciao bye bye. Tu en penses quoi ouais, Je suis assez d'accord avec toi. Il part... je... y a un point qui m'a intéressé dans ce que t... la question que tu as posée c'est comment tu insuffles la motivation aux sales. Et moi, je, et moi, je suis un adepte de la pensée positive. Et depuis que je l'ai appliquée, je t'avoue que ça fonctionne à 99,9%. En fait, quand tu es positif, les choses sont positives. Quand tu es négatif, les choses sont négatives. Et en fait, le karma, ou tu l'appelles comme tu veux, euh, il s'ouvre lorsque tu vois les choses positivement et lorsque tu fais du bien autour de toi. Et j'y crois fort et ça marche. Donc voilà, à tous ceux qui écoutent, mm. euh, vous êtes aussi euh, un ingrédient de la, de la réussite. Il n'y a pas que, euh, pas que le contexte. Napoleon Hill. Absolument. Euh, et après, sur le pipe, je ne suis pas un gros adepte du pipe, parce que la probabilité qu'une personne, en deux mois, elle relève un challenge qui est insurmontable, pourquoi elle, pourquoi elle arriverait à faire ça en deux mois quand on n'a pas fait ça en un an. Donc, le pip, c'est déjà trop tard. Le pip, c'est un plan de départ ou un plan, euh, pas de départ, je pas, mais en tout cas, un plan vers la sortie. Moi, je suis plus vraiment de bien comprendre et donc, d'où la notion de hands-on, qu'un manager comprenne très tôt ce qui ne va pas. Et, et pour moi, c'est ça. Hein. Mmh. Les outils que tu utilises, du coup, euh, en sales and development, euh, sans faire de forcément de, 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 de promo là-dessus, mais que toi, tu as des outils que tu utilises pour... Euh, Faire monter en compétences tes, tes équipes, est-ce que tu es sûr qu'ils les utilisent ou pas Tu vois euh, Qu'est-ce que tu fais s'ils ne les utilisent pas On a des outils, mais on va dire les outils, c'est indispensable, mais ce n'est pas pour moi la base. La base, je te coupe. Ouais. Je vois de plus en plus, justement, aujourd'hui, de, de sales dire oh, on n'a pas les bons outils, c'est pour ça qu'on ne close pas. Tu en penses quoi de ça Non. Moi, je pense que c'est une question de philosophie, de stratégie, de, justement, de. de, 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 de... De méthode de pensée. Et. C'est un peu comme la conduite. Quand tu as eu ton permis, je passais pas si ton permis, tu as ton permis. Ouais. Ben, en fait, quand tu conduis au départ, euh... la première année, tu ne sais pas vraiment conduire, en fait. Tu n'as pas intégré les réflexes, tu pas. Un ben, sel, c'est un peu ça. C'est quand tu fais de la haute bande, ben, tu ne vas pas tout de suite comprendre les bons réflexes. Et donc, c'est comment toi, en tant que leader, tu arrives à lui dire, voilà, travaille sur la proposition de valeur, travaille sur le discours. Comment tu arrives en deux, en, deux, en deux phrases à expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien de ton concept ce que tu fais Et donc, donc, il y a cette notion d'alimenter le sales en méthode, en discours, en structure, pour le, lui donner les armes de faire de la outbound. La bande, out -band, c'est complexe. Tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien, tu parles à quelqu'un qui est sollicité souvent, qui est, qui a plein de, qui est tar retargeté, targeté. Comment tu arrives à faire la différence et pour moi, c'est, tu arrives à vraiment définir ta proposition de valeur versus son besoin. Donc, par exemple, euh, bah, notre solution permet de 1 réduire les coûts, deux diminuer euh, euh, le churn, 3 euh, augmenter la productivité. Et, 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 et donc, il faut que ce soit un message qui soit clair, simple euh, et adapté. Adapté, c'est ce donc, je à dire. Donc, c'est ça la difficulté. C'est pas mais tout le monde peut faire de la haute bande, mais c'est juste euh, bah, comment tu as les résultats derrière Comment tu arrives à. En appliquant une méthode. En appliquant une méthode, en appliquant aussi du test and learn, en appliquant aussi euh, euh, voilà, des, 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 des choses un peu créatives. En... Qu Qu'est-ce en... que tu penses de la gamification au niveau du sales Je trouve que ça se perd, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Et euh... moi, une de mes philosophies, puisqu'on parle de philosophie, c'est ouais. que pour moi, la vente, c'est un jeu sur lequel je maîtrise les règles. Et donc, du coup, je sais m'amuser. Mais ouais. les règles, elles évoluent tous les jours. C'est-à-dire que tu es obligé de rester euh, en contact du marché pour euh, voir son évolution ouais. et continuer à t'amuser. Mais ce que je vois au quotidien, c'est euh, des gens qui ne s'amusent plus et qui prennent la vente, je vais faire euh, ouais. un focus sur le, la haute bande, comme euh, un peu une tare. Euh, le, le, le résultat, ouais. il est simple. Et toi qui as une expérience internationale, j'aimerais bien avoir ton avis. En France, cette SDR, par exemple, c'est euh, soit c'est un passage obligé parce qu'il euh, faut commencer d'en bas et monter, mais il faut vite monter à eux. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, mais être SDR, c'est quelque chose qui est pas très bien vu, ou en tout cas, c'est un peu euh, le, le job euh, que tu as envie d'éviter, euh, mais sur lequel tu es obligé de passer si tu veux évoluer. Est-ce que, un, tu as cette euh, même perception que moi euh, du marché vis-à-vis -vis de ce job-là Et quelle est la perception du marché à l'international, notamment aux US, par exemple euh, sur le job d'SDR Oui, alors, alors c'est passionnant ce que tu ce que, notre discussion. Il y a plusieurs sujets dans le sujet que tu as, tu as dit. Il y a le côté fun. Donc, moi, je suis un adepte du fun. Euh, je fais des challenges, je, je fais des incentives. Euh, je, voilà, je, je te raconterai peut-être, si on a le temps, euh, ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez Corp. Voilà, j'ai amené euh, toute mon équipe euh, dans un t 5 étoiles euh, pour euh, justement euh, les, les rewarder sur ce qu'on avait accompli ensemble. Pendant trois jours, mais le pour moi donc le rôle SDR c'est le rôle le plus important à la fois pour les boîtes mais à la fois pour les individus. En fait ils ont pas conscience de la structuration que ça apporte et surtout du tremplin que c'est en fait. Et donc effectivement c'est mal perçu, c'est mal souvent mal payé et c'est souvent aussi euh, euh, on va dire euh, sous côté. Mais moi j'étais SDR donc je, je sais de quoi je parle et du coup la, la... C'est grâce à ça que je suis aujourd'hui où je suis en fait. Donc, j'ai conscience que cette structuration trois ans, qui est un peu le MBA du sales, m'a permis vraiment de, de bien comprendre en fait, euh, de maîtriser la chasse, de bien comprendre euh, la vente. Et effectivement, je trouve que les, les SDR se pressent trop vite à être Ei, parce qu'il y a une notion de statut, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Ce qui est important, c'est quand tu es jeune, de bien être structuré, d'avoir bon, le, bon, le bon cadre pour, pour grandir très vite. Versus à l'étranger, du coup À l'étranger, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le SDR, euh, c'est vu comme un passage obligé, mais c'est mal vécu souvent où euh, les, les, la génération Y ou Z sont très impatients de venir à EI. Mais EI, ce n'est pas le meilleur job. Et, 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 et moi, une, quand je suis arrivé chez Corp, j'avais une EI qui n'était pas successful. Et en fait, mon premier réflexe, c'était de dire écoute, sois SDR. Reviens à SDR. Donc au début, elle était un peu était n'était pas très bien. Et c'est devenu la meilleure SDR l'année dernière de toute la boîte. Elle a fait 250% de ses objectifs. Ouais, et, du coup, euh, et du coup, en fait, euh, maintenant, elle est I, mais elle a bien validé cette, cette étape-là. Et donc, elle a l'importance, cette étape-là. Elle, elle est capitale et elle est structurante. Et je trouve que c'est une erreur pour les, les jeunes de vouloir la passer trop vite. Il vaut ouais. être le meilleur dans sa catégorie que le moins bon ou que le meilleur d'une un, catégorie moins bonne. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, ça. Le dernier round, je veux que ce soit un round euh, voyage. Genre, euh, on est vendredi, il fait beau. Et euh, j'ai envie de découvrir euh, parmi tes expériences, euh, Jérôme, quelles sont les anecdotes euh, que tu peux nous raconter, notamment en Chine, au Japon, mais par rapport à la culture sales locale. Okay. Tu vois euh, Et comment, à travers justement ta méthode tu as, euh, as pu être successful là-dessus Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'international et c'est passionnant, hein, mais c'est vrai qu'on on, on, sous-estime souvent la partie euh, culturelle de la, de la vente. Ma passion, moi c'est ma passion, ma grosse passion dans la vente, c'est ça. Hein. C'est ça. J'ai commencé ma carrière en, fait, en étant dans une boîte qui vendait des composants électroniques et ils et ne vendaient pas au Japon, donc j'ai fait un stage dans cette boîte-là. Et je, et je suis allé voir mon CEO, je lui mais pourquoi vous ne vendez pas au Japon euh, Le Japon c'est un, un gros marché. Ouais, c'est compliqué, on sait tous casser les dents dessus. Je lui voilà, moi j'aimerais bien essayer et du coup euh, voir comment ça se passe. Mais du coup je te donne six mois et tu me dis euh, on, au bout du mois on voit ce qui se passe. Le premier mois je me suis un peu cassé, cassé les dents sur le marché, ils parlent tout japonais, euh, les horaires c'est 8 heures de décalage horaire. Et donc je me suis dit je, voilà, je, je prends des cours du, japonais, du soir japonais euh, intensif. Et en un mois, en fait, j'ai appris les bases de Nathaniel enfin les, les bases un peu de politesse. Et donc, j'ai commencé à passer le premier filtre de, du standard. Et, euh, et donc, j'ai eu les acheteurs en face. Donc, story short, au bout de six mois, le Japon était devenu le premier marché de la boîte. Et donc, euh, avec des clients comme Sony, Toshiba, NEC Donc, j'avais craqué, en fait, le fait qu'il fallait avoir la première barrière de la langue et la, et la, et la dépasser. Arriver à, à s'adresser aux bonnes personnes et finalement bien comprendre leurs enjeux et, et répondre à leurs besoins. Donc ça a pris 3-4 mois, mais j'ai été reçu par le, un des présidents de Sony Corporation au Japon lorsque je suis allé, je suis allé 3 ans plus tard parce qu'on avait participé à, on les avait aidés à gagner des parts de marché, etc. Donc il y a toujours en fait un élément déclencheur dans, dans les marchés. Comment tu arrives à, vraiment à comprendre l'élément déclencheur Donc plus le marché est dur, le potentiel est gros, et ça, l'élément déclencheur sur le Japon, c'est la première barrière. ouais ok. Donc, c'est à dire que quand tu appelles, tu es, es plus vu, enfin, tu es toujours vu comme un étranger. Parce que je sais qu'au Japon, c'est euh, si tu pas japonais, tu restes un étranger. Mais tu as fait l'effort de t'intéresser à la culture japonaise. Donc, en fait, finalement, je reviens sur ce que tu dis au début ta méthode elle marche macro, elle marche micro, elle marche nano, nano dans le sens euh, Lorsque je vais dois créer une relation humaine, d'abord, je m'intéresse euh, ben, d'un point de vue macro à qui est cette personne, c'est quoi sa langue. Si je ne parle pas la même langue, en plus, il y a beaucoup de, euh, ils sont très patriotes, ouais. très chauvins les Japonais. Donc, en fait, tu parlais de, donc c'est bien parce que c'est un peu la conclusion de notre discussion, mais tu parlais de, euh... c'est quoi la bienveillance Ouais. La bienveillance, c'est de s'intéresser aux autres, mais quel que soit son statut, en fait. Je suis en face de toi, je suis bienveillant. Il y a Clémence à côté, ben, je m'intéresse à elle. Euh, je m'intéresse aux gens, en fait, tout simplement. J'écoute. J'ai envie de les aider, j'ai envie de les aimer, j'ai envie, ai envie, ai envie qu'il leur arrive du bien, en fait. Et ça, ça ne trompe pas. Quand, quand tu t'intéresses aux gens, quand tu fais l'effort de l'écouter, quand tu fais l'effort de comprendre ses enjeux, ses problématiques, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi, quoi ses, ses problèmes perso aussi. Hein. Moi, j'ai des clients qui ont des problèmes persos, qui m'en parlent. C'est partie de la vie. Et, et donc, t'as pas peur justement de créer. Euh, après, on revient sur mon voyage, parce que ouais. tu ne me fais plus voyager au Japon. Ouais. Après, on revient sur mon voyage. Ouais. En, on voyagera en Chine juste ouais. après. Ouais. T'as pas peur justement de dépasser une certaine limite où euh, t'es plus dans une relation euh, pro, mais tu deviens un peu plus perso. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, mais peut-être qu'à un certain moment, à un certain niveau, c'est un peu la friend zone, quoi. En fait. Moi je, moi, je crois euh, à l'écoute et si une personne a besoin de parler, eh ben, tu es là pour l'écouter. Et donc, pour moi, il n'y a pas de rôle. Je ne pas un rôle. D'ailleurs, le business, c'est quelque chose d'intemporel. D'aujourd'hui, je suis dans cette boîte. Demain, je suis dans une boîte. Le client change de boîte. Donc, il y a une notion de confiance. Et cette confiance-là, tu la crées par la bienveillance, par l'écoute, par la volonté de construire une histoire ensemble et la volonté aussi de faire le job. Si la personne te donne sa confiance, eh ben, tu ne vas pas la trahir et tu ne vas pas justement. Euh, mettre en place des solution qui fonctionne pas ou donc donc c'est pour ça que euh, euh, c'est pas forcément de l'intimité mais c'est de la confiance donc cette erreur elle est faite par énormément de sales moi je trouve c'est à dire que euh, ne voient plus une personne en face mais ils voient un portefeuille d'où le fait de dire je bosse avec des grands comptes pourquoi tu bosses avec des grands comptes ben, c'est eux qu'ont le budget donc, on s'intéresse. Pour... Je, je vais donner un exemple. Ouais. On a gagné un, un très gros deal euh, en Q4. Ouais, Q4. Et en septembre, j'ai mon chef qui vient me voir qui me dit Tu sais, Jérôme, sur ce deal-là, le partenaire, il pousse un autre, euh, un autre, euh, une autre solution qui est deux fois, des fois moins chère que la nôtre. Il me dit euh, Voilà, je suis déprimé. Je lui ne sois pas déprimé. Regarde le client. Ne t'occupe pas du reste. On ne le maîtrise pas. Écoute son besoin, écoute ses enjeux, écoute. Ce qu'il a besoin de, 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 voilà, en termes d'achievement, qu qu'elle soit que sur lui. Et on a gagné le projet à 300K d'ARR, en étant deux fois plus cher que le, que le concurrent, euh, en n'étant pas poussé par partenaire. Et donc ça veut dire que quand le client a vraiment envie de l'aider, en fait, il le sent. Il le sent et, 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 et il sent que tu vas répondre à son besoin. Donc, souvent, les, les, et je te rejoins, souvent les sales, non seulement ils prennent les clients pour du bétail, mais ils pensent que le prix fait la différence. Ils se et trompent. C'est souvent une, une erreur du management, je trouve. Parce que si le management plus haut dit, était plutôt euh, orienté ouais. customer centric en disant euh, bah, ⁇ intéresse-toi effectivement aux besoins de ton client, il y a trois types de besoins, gain, de de, euh, gain, gain ou économie de temps, d'énergie ou d'argent, et comment on va pouvoir répondre à cette euh, problématique en fonction de la, du décisionnaire qu'on a en face, je pense qu'on aurait euh, des pitchs et des approches, des discours beaucoup plus... Euh, précise et adaptée. Tu as raison. Et je serais un peu sévère sur le, sur justement sur, sur beaucoup de, 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 de directeurs ou de patrons, c'est-à-dire très euh, centré produit, très centré euh, boîte, très centré, euh, voilà, euh, j'ai réussi, j'ai levé tant d'argent. En fait, non. En fait, c'est quoi la valeur Et donc, tu as raison. Je pense que c'est comment tu arrives en tant que patron à définir la vision, la mission et la valeur et que tu la souffles à tes équipes mais si tu parles de feature, si tu parles de produit, si tu parles de, de tools, bah le sales il va parler de tools donc on revient un peu à la discussion de départ c'est à dire comment tu empowers les sales bah tu donnes les moyens de réussir et les moyens c'est la philosophie, le mindset euh, les outils la valeur et l'improvement parce que effectivement si on reste là dessus pour moi ça reste un peu euh, bisounours dans le sens, bon bah s'il fait pas ses objets on va, on, va, on va voir comment on va le faire évoluer mais et l'improvement continue. continue. Oui, 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 Donc oui. c'est ça en fait. L'improvement, il, il est intemporel et il est, et, et oui. il est perpétuel. C'est-à-dire qu'on est dans une société de mouvement où les cycles se sont énormément réduits. On est passé de 15 ans de cycle à 10 ans dans les années 90, à 5 ans dans les 2000, à maintenant 3 ans. Donc tous les 3 ans, il y a des mini-révolutions qui challenge ton business. Donc tu n'as plus le choix que d'être agile. On parlait d'agilité. Si tu n'es pas agile, c'est fini. mort. Donc ouais, c'est ce ça tout. en fait, ouais. c'est que c'est plus, plus un choix, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que mieux vaut l'anticiper, mieux vaut l'embrasser la, la, que de la subir. Nickel, bah, nickel. Bah, on a fini le cinquième round. La question qui met KO, bienveillante de préférence. <laughs> je rigole, c'est ce que tu veux. Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de de solutionner des moutons à cinq pattes. Ouais. Donc c'est ma passion, c'est un peu le, la valeur que j'ai et c'est là, là où je cultive ma différence. Euh, toi, tu es serré l'entrepreneur, tu as monté deux boîtes, tu as, as fait deux exits. Euh, comment tu mets la barre haute et comment tu fais en sorte justement de ne pas te reposer sur tes lauriers et de ne pas justement euh, être dans une zone de confort que tu pourrais être euh... Voilà, c'est okay. ouais. une très bonne question. Euh... Je, punch, hein, je punch. Ouais, ouais, ouais Non, non, c'est une très, très bonne question. Euh... Je pense que euh... je suis incapable de rester, euh... de rester statique. Je pense que. Mon objectif est toujours de, de, de rester dans, dans le game et de m'améliorer en continu pour comprendre comment le marché évolue et répondre aux besoins du marché, tout en étant aligné avec ce que moi je veux dans ma vie. Et je pense que le plus compliqué, c'est ça, c'est de réussir à trouver un juste milieu entre moi, ce que je veux, la vie pro que je veux, et la vie perso avec ma famille que je veux. C'est le plus important. Euh, et en tant que serial entrepreneur, effectivement, euh, c'est commencer à, à, à créer des boîtes. Ma prochaine boîte, d'ailleurs, c'est ça euh, de créer une boîte dans lequel je ne suis plus aliéné par ma boîte ni mes salariés, mais j'épouse ma vision et j'arrive à l'idée mes salariés vers cette vision là également, sans, sans les, les perturber. Et je pense que c'est le gros problème que j'avais avant, c'est à dire j'ai une vision, il euh, faut tracer là dessus euh, et voilà. Et en fait, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. L'avenir, il n'est plus là dessus, il n'est plus, plus là. L'avenir, euh, en fait, ce que j'ai compris, c'est que euh, chaque jour, euh, chaque jour, je dois m'améliorer un petit peu plus. Chaque jour, je dois comprendre comment le monde, il évolue. Chaque jour, je dois comprendre la vitesse à laquelle la technologie arrive et comment j'adapte tout ça pour répondre à un besoin précis du marché présent en anticipant un petit peu plus derrière et bien s'entourer. Tu vois, je travaille avec des gens aux US pour comprendre. Je gagne du temps, en fait. Tu vois, genre, et, enfin, ce qui se passe là-bas, ils ont six ans d'avance. Donc, euh, à peu près, un peu moins maintenant, mais on va dire entre trois et six ans d'avance notamment sur la manière sur le consulting euh, et comment la vision ils ont comment la, la vision qu'ils ont du consulting le, des indépendants également tu vois par rapport à l'IA il ouais. y a beaucoup de choses à prendre également en compte et mon, mon vœu c'est de de rester actif tout en étant dans le game et en m'amusant j'espère que j'ai à ta question non et ça a un vœu pieux et en fait je je, je, je repense à ce que tu disais sur les US donc les US ont beaucoup d'avantages et beaucoup d'avances, mais en France, on a des super technos, on a des supers ingénieurs, on a des supers idées. En fait, c'est juste qu'on les market pas super bien et en fait, qu'on qu ne comprend pas les choses de la bonne manière d'un point de vue sales. Et le sales est souvent, le, 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 je dirais pas le, le parent pauvre, mais est souvent sous-estimé ce sous côté et, et, et pas assez intégré. Il n'y a pas beaucoup de sales dans le conseil d'administration. Bien sûr, la Il y a culture a pas, sales en vois, France, elle est... Donc, euh... donc, on est pris pour des clowns. Le problème, c'est en fait, aux US, oui. les, les sales, euh, ils sont considérés. Quand nous, aujourd'hui, en France, on est obligé de cacher notre identité, entre guillemets, avec euh, des experts en ça. Je vous accompagne si je, Mec, en fait, tu dis ce que tu veux, tu es commercial, tu et... vois. Et il n'y a plus cette fierté du commerce parce que le commerce est pris pour euh, soit un menteur, et il y en a. Et je ne dis pas qu'il y en a oui. pas, il y en a. Euh, mais dans la tech en tout cas ça va de plus en plus vers de la méthodologie et même en fait dans offline tu vois genre, euh, faut le méthodo méthodologie et simplicité Exactement, et simplicité ah ouais. c'est à dire que moi j'accompagne des boîtes là notamment des centraliens sur un projet et en fait ils sont super intelligents ils sont brillants mais en fait ils ont une approche business qui est complexe et en fait la, 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 euh, la simplicité en soi, c'est complexe d'être simple. Je crois rien de plus complexe. Donc comment tu arrives en une phrase à expliquer dix ans de boulot Mais en fait, c'est ça, là. C'est répondre à un besoin. C'est ça la synthèse, en fait. Et c'est comment tu arrives en fait, à, à, à expliquer ton concept à quelqu'un qui connaît rien de ce que tu fais, mais qui va, in fine, décider d'acheter ou pas. Et donc, euh, Et donc, si j'ai un petit talent, c'est ça, en fait. C'est de prendre quelque chose de complexe, de le rendre simple. Et de le scaler. Et donc, euh, et donc souvent, l'ennemi le, le, des boîtes, c'est plus les boîtes elles-mêmes que le contexte, que le client, que le secteur, que les concurrents. Parce qu'en fait, s'ils sont complexes dans leur tête, ben, ils auront du mal à, à être simples. Si je le ramène à ta méthode, et je pense qu'on finira là-dessus, c'est pareil en fait pour l'humain. Comme le, avez, le, le premier frein de l'humain, c'est lui-même. Pareil. Donc, tu peux être soit ton meilleur ami, soit ton pire ennemi. Absolument. Soit ton meilleur ami. Merci beaucoup, Gérald. Merci à toi, réel. Merci d'avoir partagé ta philo. T'as vu, on n'a rien tenu de ce qu'on avait dit. Hein. Absolument. Tu m'as dit. <laughs> c'est ce que je voulais, je voulais freestyle, mais du coup, voilà, c'est la magie de la vie. Voilà, on prend pas la tête, on s'amuse et, et aussi, on, on, on a conscience que chaque jour est un cadeau. Le fait qu'on soit vivant et qu'on soit en bonne santé, c'est un cadeau. Exact. Donc, il faut aussi apprécier le quotidien. Exact. Enjoy. Merci.